Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode en carrière joueur. Aujourd'hui, match très important en championnat. De toute façon, il ne reste plus que le championnat puisqu'on a été éliminé des matchs de coupe. Donc, de toute façon, il ne reste plus que le championnat. On affronte donc le Milan C. On a des petites infos sur l'Europa League. On va voir ce que c'est. Ok, on n'a pas eu le temps de voir. Ok. Et ensuite, on se retrouvera pour la fin de saison. Et comme ça, on se retrouvera pour le match face à l'Inter. L'AS Roma, on a deux gros matchs et comme ça on pourra faire un bilan au niveau du classement. Mais là c'est déjà important de quand même de gagner face au Milan AC parce qu'ils sont juste derrière nous à un point. Donc là ça peut être pas mal. Là ça peut être pas mal. On peut voir qu'on est pratiquement tous à la 24e journée à part l'Inter. Donc faut pas se louper. Faut pas se louper face au Milan AC. Donc du coup on perd pas de temps. On est parti et je vais vous parler également des étoiles techniques, enfin des étoiles des gestes techniques, parce que c'est vrai que ça revient à chaque fois dans les commentaires, même si j'en parle souvent. Alors faut savoir que je vais regarder, mais moi j'ai toujours les 5 étoiles. Voilà, ça c'est un peu le bug que vous avez, c'est que du coup quand vous commencez en carrière joueur, et bah vous avez tout simplement les 4 étoiles, voilà, les 5 étoiles, les 5 étoiles de gestes techniques. Et on m'a dit qu'à un certain niveau, bah du coup vous les perdez. Donc je vous avoue, je sais pas comment je vais réagir si je perds mes étoiles et que mon joueur il peut pas faire de feinte de frappe, il sait même pas enrouler une frappe. Je sais pas comment on va se démerder, mais si c'est le cas, je sais pas ce que va devenir la carrière joueur. Vraiment, si je vais perdre des étoiles et que je me retrouve à 0 une fois à 85, déjà à 86 de général et que j'ai déjà plus d'étoiles. Voilà. Ça va clairement faire chier. Ça va clairement faire chier. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc dans tous les cas, vous le saurez. Dès que je perds une étoile ou quoi, je vous le dirai. Je vais surveiller ça de toute façon. Donc voilà, du coup, le Milan C, on est parti. On joue à domicile. On a l'équipe type. On est parti avec Ribéry qui est bien sûr présent. On va passer, et comme vous le savez, un Milan C qu'on a déjà affronté avec Absili Quetta en défense. Qui d'ailleurs n'a pas le brassard de capitaine, je crois, là, pour le coup. Allez! L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la prendre les 3 points pour bien sûr se qualifier pour l'Europa League, ça serait pas mal. On a réussi à passer. J'ai trop poussé mon ballon, mais ok, non. On revoit le classement actuellement, donc ouais. Donc comme vous pouvez le voir, pour la 6ème place, on peut décrocher l'Europa League. Enfin, on jouera les barrages. Je crois qu'on joue les barrages à la 6ème place de l'Europa League. Mais c'est toujours mieux que rien. Pourquoi je suis ici, moi, en fait? Ouh! Allez, on a gagné plus 1 en puissance de frappe. Donc ouais, je surveille mes gestes, mes étoiles de gestes techniques. Mais comme tout le monde, hein, ce sauvetage là. Je pense que comme tout le monde, je vais les perdre. Hein, je vais les perdre. Et malheureusement, si vraiment ça, enfin c'est même sûr, de toute façon ça doit se ressentir. Mais bah c'est problématique quoi. Ça va vraiment être problématique. Je sais pas. Enfin dites-moi si vous ça vous est arrivé. Et à partir de quel général? Parce que c'est vrai que là on commence à bien monter en général. Et pour l'instant j'ai pas perdu encore d'étoiles. Donc est-ce que je suis chanceux? Je ne pense pas. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez perdu des étoiles. À partir de quel général vous les avez perdues. Ça m'intéresse. Mais ouais. Moi en fait de ce que j'ai peur c'est que du coup il y a tellement de bugs sur ce FIFA. Vraiment je le répète hein, pour tous ceux qui n'auront pas forcément FIFA avant encore. C'est pas grave, hein. Vraiment les gars c'est pas grave. Hein. Je vous garantis que avec les problèmes qu'il y a en carrière etc. Bon il y a eu la mise à jour des effectifs heureusement. Mais bon la mise à jour des effectifs elle arrivait quand même 2-3 semaines après. C'est un peu abusé. Alors qu'on revoit ma frappe de tout à l'heure. Au moins j'ai pas pu partir en compte. Par contre on est en train de subir un peu là. Le Milan C en ce moment qui va pas très bien. Je crois qu'ils ont viré leur entraîneur là. J'ai vu. Ils ont fait je sais plus combien d'entraîneurs je crois depuis 2014. Ils ont fait je sais plus combien d'entraîneurs. Là voilà on est à domicile et je sais pas. On va pas chercher les joueurs. C'est un peu ça qui me
qui me dérange dans à la Fiorentina. Putain, on a eu la chance là. La chance qu'on a eue, c'est qu'on subit trop. Déjà qu'on a une défense qui est. On joue à la. Enfin, ouais, on a une défense qui est pas ouf. On va se mettre à jouer dès qu'on va se prendre le premier but. Ah ouais, voilà. Voilà. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Heureusement, il y a hors-jeu. Mais faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête de faire ça. Waouh. Ouais, ça joue à pas grand-chose. Hein. Je pense qu'on a quand même de la chance. Hein. Pas mal hein, le maillot du Milan AC. Vous avez vu, ils ont une bande noire avec le logo noir. Et du coup, l'autre côté, la bande rouge pour refléter au niveau de la couleur du blason du Milan AC. C'est vraiment bien pensé en tout cas au niveau du maillot. Kevin Volland. Ah, pour l'instant, on touche pas le ballon. Pour l'instant, on joue pas. C'est parfait. C'est cool. On touche pas le ballon, il y a rien, on subit. Ouais, bien tiré ce corner. C'est dommage. C'est allez, on va dégager. Maintenant, c'est à nous de essayer de garder ce ballon, mais ça va être compliqué si c'est bon. Kevin Volland. Ah, le ballon qui file. Franck Yannick Caissier. On va prendre un but juste avant la mi-temps. Un petit peu trop enlevé. Bon, au niveau de la possession, c'est comment? Ouais, 65 à 35. Clairement, on n'a pas le ballon. Heureusement qu'on a un gardien. Heureusement qu'on a un gardien aussi, hein. Putain. Un corner adressé au niveau du point de penalty. Bonne intervention des défenseurs qui a écarté le danger. Non mais clairement là, je sais pas ce qu'on va faire. On joue pas. Je comprends pas. Hein. Moi-même je comprends pas. Je sais pas ce qu'on fait. Allez, il faut centrer. Kevin Volland. Encaissier. On est là avec Ribéry, on attend. Un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur. Ah non, il est pas bien dégagé ce ballon. Nkoulou qui fait toujours des dégagements un peu chelous. Avant de faire signe au quatrième arbitre, mais là c'est décidé. Elle est en profondeur là. Bon, c'est un boulevard là, qui s'ouvre devant lui. Corner, dommage. On va compter le petit crochet. Allez, le corner. Bon, ça va. Sur une action, on a pu peut-être être dangereux. Donc, au final, peut-être il n'aura pas fallu énormément. Il n'en faudra peut-être pas énormément pour en mettre un. On cherche une solution. Non, c'est contré. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, dommage. Et Milan qui nous force à jouer avec des longs ballons en fait. Il nous force à jouer avec des longs ballons. Ah, voilà Nkoulou, voilà. Je me dis que le foot est quand même en train de devenir un peu ma boule. J'attends un peu de soutien. Est-ce que ça passe ça? Ça y est, ça va mieux. Enfin. Je sais pas pourquoi on a attendu autant de temps là. Mais... il m'a fait changer de poste. Oh, dommage. J'étais un peu trop loin là. C'était compliqué de la reprendre. Ouais, le ballon donné, il est pas bon en plus. Ah ouais, non mais là, je pouvais absolument rien faire. Ça y est, il touche plus le ballon. On va le mettre. Hein. On va le mettre. Par contre, j'ai l'impression que Ribéry, il a changé de positionnement. Je crois que Ribéry, il a changé de positionnement. On a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Attends, mais Ribéry, ils le font jouer où là? Allez, faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Oh là là, l'arrêt. La défense qui ne peut pas faire grand chose. En profondeur, oui, bien vu. Ah, il y a hors-jeu. Ok. Non, mais. Et ça joue à pas grand chose encore. Hein. Et voilà. Franchement, on n'a pas joué une période. Bah voilà, c'est mérité. C'est mérité. On part. Je sais pas ce qu'on a fait. Et du coup, voilà. Ils ont pris qu'un seul point. 44 points. Voilà, c'est dommage. Putain, c'est dommage. Et bah du coup, ouais, le Milan AC qui reste toujours derrière nous à un point. Alors, au niveau de l'équipe, encore une fois, on a l'équipe type. Ok. Donc ça fait plaisir. Enfin, on arrive à enchaîner deux matchs avec les mêmes joueurs.
N'hésitez pas à venir à marquer un petit peu votre début de bah, où vous avez commencé tout simplement en carrière joueur. Peu de fantaisie dans la compo. Dans les commentaires. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Je sais qu'il y en a qui ont commencé également comme moi à la Fiorentina et que c'était un peu la merde aussi pour eux au niveau de l'équipe, au niveau de la défense. Donc ça me rassure un peu. Il n'y a pas que moi auquel la défense fait un peu de la merde. Mais voilà, du coup n'hésitez pas à me dire où vous avez commencé en carrière. On passe prendre un but dès le début, ça serait pas mal aussi en jeu. Et le faire sortir la défense, je sais pas ce que j'ai fait là, mais ça va, on a réussi. Bien joué Ribéry, on va essayer le pied gauche. Hein. Franck Ribéry, la grosse occasion. Allez, yes. Allez. Comme d'hab, essayer de mettre le break parce que on sera jamais à l'abri à 1-0 du côté de la Fiorentina, c'est pas possible. 18e but en Serie A. Franchement, au début, on avait vraiment du mal. Et au final, on va se retrouver à marquer 20 buts en championnat. Attention aux prises de balles pour les gardiens. Il faudra peut-être jouer la sécurité, notamment sur les... Oh, dommage que c'est pas passé, ça. On va récupérer. Yes. Allez, oui. Allez, on essaye de prendre un petit peu de l'avantage également au classement du meilleur passeur. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas... Là, j'ai bien fait de continuer en profondeur, hein, parce qu'au final, il a réussi à reprendre le ballon, à me la passer. Et d'ailleurs, Ribéry, il est arrivé pour frapper ce ballon, il était presque dans les cages. Mathias Vecino. Oh là là. Oh dommage, j'arrive pas à frapper. Oh oui. Oh dommage. Ils ont décidé de nous mettre un petit peu la pression juste avant la mi-temps. On donne. Voilà, bien fait. Cette fois-ci, on la tente. J'étais pas forcément en bonne position. La Lazio qui gagne 2-1 pour l'instant. La Lazio qui était. Je sais pas combien ils étaient d'ailleurs. On a un bon petit coup de pression là. Choisis la frappe. Voilà, plus ça en tire de loin. Voilà, puissance de frappe, plus 1 également. C'est dégagé en touche. On continue de monter, de débloquer les exploits. Bah, pour l'instant, je crois que c'est l'un des matchs auxquels on a moins subi en défense. Hein. Franchement, on n'a pas eu besoin de trop défendre. Franck Ribéry. Tant mieux. Franck Ribéry. Il adore créer le danger sur son côté gauche. Ouais, c'est sa marque de mais fabrique. Mais nous qui subit à chaque fois en défense. Des centres millimétrés, voire des... Allez, boum. Et ben voilà, une passe de plus. Maintenant que du... Ouais, ils sont pas du tout dedans. Hein. Ils sont pas du tout dedans. Maintenant, c'est que du bonus. Hein. C'est que du bonus. On s'approche du but adverse. On centre peut-être dans l'axe. Oh putain. Allez, plus 1 en centre. Plus 1 en effet. Bon, après, ça se trouve... Bah, je connais... Faut être sincère avec vous, je connais pas forcément non plus les joueurs qui sont titulaires dans l'équipe d'en face. Mais ça se trouve, ils ont fait tourner aussi. Hein. Ça, faut le prendre en compte également. C'est que, du coup, il n'y a pas que dans notre équipe à nous auquel ça tourne. Dans les équipes adverses aussi, ça se trouve, ils ont fait jouer leur... Ils ont pas fait jouer leur équipe type. Voilà, je vais y arriver. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu un peu plus de facilité. Mais c'est bien, on n'a pas encaissé de but et on a pris les 3 points. Et du coup, on est 6ème. Le Milan, si ? Ah, ok, ils ont joué la 27ème journée. Et bah, du coup, ah oui, en cas de victoire, on peut passer à la 5ème place. Putain, c'est bon ça. Hein. 45. Et ouais, on peut avoir 48 points. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout ça. Du coup, on est parti face au club de Balotelli, ça fait tourner là cette fois-ci, ça fait tourner. Il y a juste moi et Ribéry qui sommes titulaires et l'ancien joueur du LOSC. De toute façon, il fallait s'y attendre à qu'il y ait un changement puisqu'on joue contre le dernier. Donc c'était un peu logique qu'il fasse tourner. Bon, on va voir ce que ça va donner. J'espère quand même qu'on va prendre les 3 points, même si on a fait tourner. Ils sont quand même derniers du championnat, donc bon, faut en profiter pour prendre les 3 points sur eux. On attend
Assez peu de fantaisie dans la mais c'est pas gagné. C'est pas gagné d'avance. Hein. Bon centre dans la surface. Oh là 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 là. Ok. Alors plus ça en équilibre. Beaucoup d'exploits là dans cet épisode. Pas trop garder trop le ballon non plus. Alors 26 matchs joués, 17 buts marqués. Ça non plus c'est pas non plus terrible quoi. Ouais, faute, mais l'arbitre laisse jouer. Je pense que c'était plutôt raté comme intervention. Ah non, le ballon est perdu. Il fait ça. Allez. Ribéry. Allez. Dommage. Je trouve ça quand même hyper bizarre que, genre, il fasse les changements comme ça, il fasse tourner. Mais que Ribéry, il le remplace jamais. Hein. C'est fou quand même. Bon, tant mieux, mais. Je trouve ça quand même. Je me demande si dans les autres équipes les gros attaquants il est remplace ici. Ah le défenseur intervient. Allez, il faudrait qu'il ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Alors, c'était dangereux. C'était chaud, mais la défense, c'était chaud. C'est dégagé, Ribéry. Grand soulagement du gardien. À noter que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est trempée. Hein. Le temps perdu là-dessus. Sur les prises d'appui aussi. Des il aurait pu me la redonner. On a mal joué le coup là-dessus. Ils sont plutôt d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais PES ont annoncé qu'ils avaient la licence de la série B. Voilà, ils ont la licence de la série B. Alors que sur FIFA, on l'a pas, je crois, la série B. Hein. Non, on l'a pas. On l'a pas. Donc voilà, ils annoncent la licence. Alors, moi, il y a un truc que je comprends pas sur PES, c'est qu'en fait, ils annoncent des licences comme ça. Et voilà, le championnat, il va sortir en cours de saison. En fait, je comprends pas. Ils sortent des championnats, franchement, c'est bien, ils ont des licences, etc. Mais ils sortent ça comme des DLC. Ils sortent comme ça, comme des DLC. C'est comme si un jour FIFA, le mois prochain, ils t'annoncent que. Bah on a la deuxième division, je dis une connerie, mais la troisième division de la Liga. Enfin je trouve ça un peu débile d'avoir des licences après la sortie du jeu en fait. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Pas beaucoup de temps additionnel, seulement 2 minutes. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Il faut trouver une option disponible. Attention. Pas ouais, faire de faute dans la surface non plus. Alors on me demande si je vais partir à la fin de la saison hein, de la Fiorentina. Alors non, je pense rester. Après je vais quand même me mettre sur la liste des transferts. Pourquoi? Parce que tout simplement que si par exemple, imaginons, je me mets sur la liste des transferts, je reçois une offre de l'OM. Bon, voilà quoi. Je dirais pas non. Je dirais pas non. Mais non, l'objectif c'est quand même de faire une deuxième saison avec la Fiorentina. Surtout si on joue l'Europe. Enfin, si on joue l'Europe, je crois que c'est pratiquement sûr, je resterai. On cherche des solutions là. Ah oui, le tir. Mais ouais, si on la joue pas, bah. Ça se discute. Voilà. En gros, ça va être un peu ça. Je pense que ça va être ça. On va discuter. On va réfléchir. Mais normalement on devrait jouer l'Europe. Normalement on devrait au moins jouer l'Europa League. Même si on joue que les barrages, on se fait éliminer genre au barrage. Attention à ce corner. Bah tant pis. Tant pis. Les 15 dernières minutes. Et on va pas les prendre ces 3 points de merde. Hein. Ah, elle progresse bien, là. Le pire c'est qu'on va peut-être même les perdre. Bien joué. On va peut-être même perdre 3 points face au relégué. Allez. Ouais, très bonne anticipation. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Allez, Henrié. Yes! Voilà. Depuis le début, ça a mis du temps à venir cette ouverture du score. En tout cas, ce but en fait. Allez, on se met bien là. Je crois que c'est la première fois qu'on est là, qu'on a la 5e place. Supérieur techniquement, pas de secret. Par contre, je suis impressionné quand même par les rebonds du ballon. Vous avez vu les mauvais rebonds sur le terrain? Je trouve qu'il y a clairement, franchement, sur le ballon, la physique de la base, je la trouve vraiment super sur ce FIFA 20. Je trouve qu'il y a des rebonds, enfin. Des fois, le ballon il fait le même rebond, et à certains moments, on sent qu'il fait un rebond pas forcément normal.
La Fiorentina. Et c'est souvent sous les matchs sous la pluie. Mais je trouve qu'il y a plus de. Il y a beaucoup plus de mauvais rebonds au niveau du ballon. L'action qui se poursuit. Et il est dépossédé du ballon. Allez, hein, gardez ce score là, il reste 5 minutes. Ouais, Ribéry, il est encore passé en défense. Ah non. Je sais pas trop. On va pousser jusqu'au bout. Je pense avoir la touche, mais non. Allez, gaffe, faut m'aider là. Dernière chance pour égaliser. Ils n'ont plus le choix. 2 minutes de temps additionnel. La passe est coupée et bien défendue. Allez, hein, pas de boulette. Pas de boulette, s'il vous plaît. Voilà. Allez, c'est terminé. Parfait. Et voilà, la cinquième place. Et là, on peut. Et maintenant, on peut viser, pourquoi pas, la Champions League. Enfin, quoi que non. Si, je pense. Hein. Au final, il y a peut-être moyen, hein, dans cette fin de saison-là, d'aller chercher. Hein. Bon, du coup, ouais, je pense qu'on se fera le match face à la Lazio. Donc, ouais, on se fera ça. On se fera ça, je pense qu'on fera le match face à la Lazio. Avec, on le rappelle, hein, Olivier Giroud qui a signé là-bas. Bon, je pense pas qu'il va être titulaire. Enfin, on verra bien, mais en tout cas, il est du côté de la Lazio. Ensuite, on aura un deuxième match de championnat. Ensuite, ça sera les matchs avec la sélection. Donc, peut-être que je serai sélectionné, mais je pense que je serai déjà prévenu depuis un moment, je pense. Ou peut-être après ce match-là. Et on se retrouve donc très très vite pour la suite. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo. Merci à tous de suivre, vraiment. Mais n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Franchement, c'est pas grand-chose, mais ça apporte vraiment du gros soutien. Ça permet également de mettre la vidéo en avant, vraiment. Donc, voilà. Merci à tous ceux qui le feront. Et moi, je vous dis à très très vite. Tchuss tout le monde!